parole, parole, mettez lumière dans moi. Parole, parole, mettez lumière dans moi. N'importe quelle circonstance qui va arriver, oh parole, mettez lumière dans moi. Combien vous la matière, les paroles, mettez lumière dans moi. Combien vous la glissez sur parler avec vous aujourd'hui. Combien vous la glissez, bon Dieu, dit au bon matin. Eh bien, nous remercions mon Dieu qui m'a nos chance pour nous rentrer dans la parole et délivrer la parole à peuple. Je dis à regarder dans le proverbe. Proverbe chapitre 3. Nabli verset. Proverbe chapitre 3. Nabli verset 25 et verset 26. Il dit, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embuscade. Et il préservera ton pied de toute embuscade. Je vous dis, un sujet message, nous, c'est l'Éternel, c'est assurance. Combien de monde là qui croit que l'Éternel c'est assurance? Combien de monde qui croit que la meilleure façon pour assurer vie, c'est la main de l'Éternel? Et on chante, on commence à chanter depuis l'homme très jeune qui dit la vie, c'est là où il y est. Force-moi, c'est là où il y est. Espoir, c'est là où il y est. Tout ça nous y est, je dis à bien-aimé, c'est à cause de l'Éternel, à cause de, du sang de Jésus. Nous d'accord, bien d'accord. Amen. Amen. Tout ça, nous y est. Force tout qui va nous venir, c'est dans Jésus. C'est dans Jésus. Mais il y a trois bagages qui sont importants et dans la vie aux chrétiens. Premier bagage, c'est la sagesse. Deuxième, c'est l'intelligence. Et troisième, c'est la connaissance. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. La Bible fait nous connaître avec la sagesse. Que mon Dieu a créé l'humanité. Ça vient bien que dimanche, la petite Dieu Genèse, nous voyons comment mon Dieu a créé la terre. C'est avec sagesse, avec intelligence. L'homme regarde l'univers, ou kawe, bon Dieu, c'est lui pour ta bon Dieu. Mon Dieu a créé la terre, il a créé le ciel là. Et puis prend toute gloire et mettez au seul côté. Il prend la mer et placez le côté noyé. Bien aimé. Il y a un peu de monde qui a parlé aujourd'hui de global warming. Ça veut dire un phénomène qui a fait la terre plus chaud. Ça veut dire un phénomène qui a fait la mer quitter le côté noyé pour venir prendre. Je dis à me garantir. La mer, pape Jean qui déplace pour lui monter sur la terre parce que côté mon Dieu était là, c'est là la mer. Même si la mer est mauvaise, même si elle monte, même si elle a fait kim, même si elle monte sur le rivage là, même si elle a marché prêt, pour dire que la mer ou pas, je père, fini, la retourne back, côté mon Dieu était là. Les papes déplacés, ce mon Dieu va avoir la mission. Bon Dieu mette le soleil là dans une distance. C'est avec intelligence, avec connaissance. Dans la bourse. Avec intelligence, bon Dieu mette le soleil là contre nous là. Si le soleil là est plus près de nous, le soleil là va bouler nous. Si le soleil là est plus loin, frère, tu t'as tué nous. Bon Dieu mette exactement à côté de nous. Est-ce que vous comprenez l'intelligence de mon Dieu ça? Est-ce que vous avez compris comment mon Dieu est intelligent? Est-ce que vous avez compris que mon Dieu a une connaissance? Il connaît exactement comment vous pouvez placer ce soleil là, bien aimé, pour le rouler. Vous pouvez vous dire que le pays tropical, l'eau là, déjà fait chaud.
Nous disons que dans le sommet se passait, je sonnais la chaud, la boule roule. Et bien ça passe aujourd'hui, à côté sonné qui la boule roule. Ou mettez-vous la chauffer, qu'on est qu'à privé, au niveau de Dieu, c'est assez, c'est pas ça, mais ton bouffet. Bien-aimés, c'est ça qui fait verser à tout, pas au kipo, l'auteur des mauvaises nouvelles là. Pas au kipo, l'auteur des mauvaises nouvelles là. Pas au kipo, l'auteur de l'épidémie a venu, il a frappé les hommes. De vous assurer, c'est le même Dieu lié, mais le même garantie nous, qui est en mesure de protection que vous avez gagné. Ou bien cet esprit de la vie, la protégé, on l'a protégé, ni par le vent, ni par les guerres, et pas qu'il y ait aucune épidémie qui va mettre mes sous, si c'est pas bon Dieu qui va être permission. Ou pas dire amen. Ça y est. Près de 2 ans de cela, depuis nous avons parlé du coronavirus, coronavirus a marché pour vous, frappé pour vous, lâché pour la terre, entré dans l'église, frappé pasteur, frappé prédicateur, frappé tout le monde. Mais est-ce que nous parlons, votre coronavirus a commencé à descendre? Vous avez quitté tuer tout le monde. Ou pour mesure de protection. Sous la journée, dit béni soit l'Éternel. Allons dit béni soit l'Éternel. Allons dit béni soit l'Éternel. Ça, c'est des bonnes nouvelles là. Mauvaise nouvelle, mais pour c'est que le coronavirus, pour qu'on finisse pour l'autre qui vient. Par contre, si vous avez une loi qui passe, ou bien, et baronnet, la plaie, ou bien baronnet, polio. Bien aimé, bagaille ça, vous faut yon faut paix, pas vrai? L'organe vous qui bagaille ça, bien aimé, c'est terrible, hein? C'est terrible. Mais bien aimé, je dis à vous que pour Dieu c'est assurance. Si Jésus c'est assurance, vous n'avez pas besoin. Si Jésus c'est assurance, vous n'avez pas besoin de paix. L'heure où vous avez des vents, épidémie va passer. Le déluge, les plaies t'a passé. Bon Dieu dit, peuple là pour le mettre, sort sous les toits là. Et le ange des soutiens t'a passé. Est-ce que le peuple a été frappé? M'attendez-nous, est-ce que le peuple a été frappé? Eh bien, c'est même Jean, je vous dis. Combien vous là qui gagne le sang de Jésus en dehors? Combien vous l'avez dit que Jésus-Christ m'a dit dans le fond de la tête sur vous? Combien vous l'avez dit que le sang de la croix, la caillou? Eh bien, bien aimé, vous protégez, sans carabosse. Vous protégez! Si ce n'est pas volonté, mon Dieu, elle va arriver. Bien aimé, elle va conduire dans la rue, elle va sortir dans la caillou. Pour accident, elle dans la rue. Je vais demander mon Dieu comment faire à conduire plus de 20 ans. C'est des sauf. Mon Dieu veut aller, lui veut tout neuf. Pourquoi c'est même pas grave, c'est même petit voyage à des boudou. Ou un monde qui a tombé à gauche, accident à gauche, accident à droite, et puis mon Dieu protège. Est-ce que mon Dieu ça va mettre un gros bras au bien aimé? Mon Dieu ça mérite gloire. Mon Dieu ça mérite adoration. Jésus c'est assurance, bien aimé. L'éternel c'est assurance, ou pas besoin de paix, hein? L'on assure dans Jésus, ou mettre méchant à frapper, ou mettre chimé à frapper, ou mettre 400 maros à frapper, ou mettre baronnet, la mort sans jour, comment il est à frapper, mais golet, ou pour chercher la mort sans jour, ou pas joindre, parce que Jésus c'est assurance. Je dis à venir pour dire que je ferme. Que je ferme dans le Seigneur. Restez par votre bon Dieu. Que me là. Continuez à prier. Continuez à adorer. Continuez à servir mon Dieu. Batala, pas pour vous. Mais batala, c'est pour l'éternel. Ou pas avec nous. Batala, pas pour vous. Batala, c'est pour qui est-ce? C'est pour l'éternel.
C'est lui qui assure un sourd, assure dans lui-même. Et moi, je veux très bien aimé, assure dans lui-même. Pour finir, comme je peux me dire, quel que soit pour moi, trouver même l'OF, méchant la faire à rage. Comment mon Dieu est méchant? On nous garde avec dans Proverbe 3. Nous allons lire verset 31 à 35. Pour nous voir comment mon Dieu est méchant. Verset 31. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. L'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison de qui est-ce? Du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce à qui est-ce? Aux œuvres. Les sages hériteront qui ça? La gloire, mais les insensés ont la honte en partageant tout dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Je dis à l'équipe avec Moussa. Si Jésus c'est assurance, vous va gagner vos pères. Que mon Dieu est capable de bénir.